Pendant tout le mois de janvier, nous sommes capables de suivre sur le channel ça. Il y a une très belle activité, une très belle initiative que nous avons gagné. C'était un challenge. Un challenge qui a déroulé sur la question du champ d'espérance. Donc, comme nous connaissons déjà sur la chaîne, ça, nous avons traduit depuis plusieurs années la musique de champ d'espérance. Non? Et nous avons vraiment pris un plaisir extraordinaire pour nous être capables de gagner un très très bel challenge. Côté que Zamio, tu as chanté la musique en créole. Donc, et nous profiter de dire merci à vous-même qui te prend le temps pour apprécier l'activité ça. Donc, jeudi, c'est une émission très très spéciale, très très particulière, côté que nous présents avec monde qui est arrivé gagner premier prix dans challenge ça. C'est un plaisir jeudi pour nous accueillir ici là qui est arrivé remporter premier prix dans challenge ça. Lirele Mart Snyder Flegmus. Donc, lycée biologiste, ou du moins si c'est étudiante en biologie médicale. Ils ont connaissance aussi en informatique et c'est avec vraiment un immense plaisir que nous avons accueilli sous plateforme ça aujourd'hui. Bonsoir, adorateur Bertin. Bonsoir à tout le monde qui a suivi nous. C'est un réel plaisir pour nous-mêmes aujourd'hui, hein, pour nous capables de présenter dans l'émission. Donc, dans l'introduction, nous avons déjà fait une présentation globale. Si tu as gagné un bagage que nous n'avons pas dit dans l'introduction, tu as aimé ajouter en termes de présentation, qui est-ce que tu es capable de dire? À vrai dire, nous n'avons pas vraiment rien à ajouter, c'est tout ça que nous sommes capables de dire. Ok, très bien. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, où c'est monde qui remporte le premier prix dans le challenge, nous sommes capables de dire première édition. Challenge que nous avons organisé en ce qui concerne la traduction de musique dans le champ d'espérance. Donc, nous traduisons la musique ça, sorti en français, mais en créole. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire, nous, pour les amis qui ont regardé nous, comment vous êtes arrivé au courant de challenge ça qui t'a organisé? Comment vous êtes arrivé au courant de challenge ça? C'est à l'aide de bons amis qui sont maestro Wisner. C'est lui-même qui te fait connaître que challenge ça a parlé un peu. Ok. Immédiatement que Maestro Wisner te mette au courant, donc où tu as manifesté intérêt pour être capable de participer. Oui. Et c'est lui-même tout qui te dit qui ça pour faire, comment doit faire pour être capable de faire partie de challenge ça. Ok. Est-ce que nous sommes capables de considérer Maestro Wisner en tant qu'un coach pour? Oui. Ok. Donc est-ce que ou habitué à participer dans un concours déjà, dans un challenge déjà, ou bien est-ce que c'était une première expérience que tu as fait? Je suis capable de dire que c'était la troisième expérience. Moi, okay. Moi participé dans un concours chant, je crois, en 2017. Déjà, moi j'étais arrivée championne. C'est dans l'église Mission pour Christ. Et en 2018, moi j'ai pris la décision pour aller inscrire dans un concours chant sur le rocher. Moi, j'ai fini par passer audition, c'est bien malheureux. Nous ne pouvons pas continuer à cause de la conjoncture du pays. Ok. Et je ne j'ai dit, je suis arrivé à participer dans le challenge. Je suis arrivé championne encore. Je suis très content. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire, en quelque sorte, que vous avez un chromosome champion? Ou bien on gagne quelques cellules championnes bah on est dans 100 ou parce que on dit on participer déjà dans l'autre concours donc mm-hmm. ou toujours et arriver championne. Donc à part de concours ça yo que on dit non que on participer de challenge ça qui était organisé, est-ce qu'on capable faut-il parler nous de quelle autre expérience encore que ou gagne dans musique qui côté ou commencer dans musique qui ça qui attiré ou qui intéressé ou qui fait que ou accepter pour chanter. Donc, est-ce que vous êtes capable de nous avoir une idée de ça? Je suis capable de dire que je chante longtemps. Je suis commencé à chanter depuis à l'âge de 15 ans. Je suis participé dans plusieurs groupes chorales. Je suis quitté, je suis toujours là-dedans. Et c'est contact divin tout qui a aidé pour avancer vers l'avant. Ok, vous parlez de Contact Divin. Qui est-ce qui est Contact Divin? Contact Divin, c'est un groupe que moi fais partie de lui.
OK. Donc, vous faites partie de groupe ça depuis combien d'années? Depuis 5 ans déjà. Depuis 5 ans. Donc, qui ça nous déjà réalisé au sein de groupe ça? OK, qui ça nous déjà réalisé? Nous avons 4 musiques qui sorti et nous avons travaillé pour l'album. Oh, c'est très bien. C'est très bien. Donc, pour nous retourner dans la question challenge, là, l'autre n'a pas participé dans le challenge, là, ou pas vraiment connaître qui ça que vous avez gagné comme prix. Ou pas connaître si je dis à nous avons fait déplacement pour nous être capable de gagner sur la plateforme non, pour nous faire causer ça. Est-ce que le fait que vous pas connaître qui ça vous avez gagné comme prix, parce que généralement, le monde peut participer dans un concours, même si j'en ai toujours dit depuis le lancement du challenge, là, nous avons dit que ce n'est pas vraiment le prix qui est important. Mais c'est collaboration que nous avons essayé de développer entre nous dans le secteur évangélique. Là, c'est ça qui est beaucoup plus important. Mais est-ce que le fait que vous avez dans le challenge, là, vous pas vraiment connaître que vous avez dit, bon, ou là pour tel prix, ou là pour tel prix, est-ce que ça n'a pas créé la caillou, soit une sorte de négligence, ou bien pour te juste ouais, que ce n'est pas un bagage qui est vraiment peut-être trop sérieux? Parce que ça, est-ce qu'on pas de gagner des idées pareilles parce que pas de gagner aucun prix qui était affiché comme ça habitué fait à l'ordinaire. À vrai dire, musique c'est passion. J'étais juste motivé sous collaboration, pour être capable de collaborer, pour travailler ça, être capable de marcher. C'est pas vraiment prix qui était intéressé. C'est que je ne sais pas qui ça me tape joué. Mais moi arrivé championne, c'est très bien. C'est très bien. Moi satisfait de okay. Place là. OK. Donc est-ce que participer dans challenge là, c'est ça qui t'a fait que vous découvrez plateforme Adorateur Bertin d'Orville-Mort? Est-ce que c'est ça qui t'a permis que vous découvrez initiative traduction musique de Charles Espérance là, ou bien on t'a fait découvrir avant ça? Moi, j'ai eu le temps de découvrir. Avant ça, c'est à l'aide de Maestro Wessner toujours. Toujours, quand on est à Postio, sur Statue, parfois, quand on est au Bambou et tout, dans le groupe WhatsApp, le groupe Contact Divin Gagnel, qu'on partage. OK, c'est très bien. Donc, nous profitez-vous et un gros coup de chapeau et un gros remerciement à Maestro Wessner. Donc, c'était un participant dans le challenge. Non? Donc, il y en a un monde qui t'a coaché, mais malheureusement, qui n'est pas arrivé remporter un 3 premiers prix. Mais je te dis, tout le monde qui a participé dans le challenge, là, nous considérons comme des gagnants, parce qu'en réalité, ce n'est pas gagner un prix qui était plus important, mais tout le monde est considéré comme des gagnants. Donc, nous profitons, voyons, aucune chaîne de remerciements à Maestro Wessner. Et nous profitons aussi, voyons, aucune chaîne de remerciements avec chaque ami, chaque frère, chaque sœur qui te prend le temps pour participer dans le challenge ça et ou même aussi qui te prend le temps pour être capable de supporter les participants, leur te invité pour te regarder, pour te bailler un like, pour te abonner avec la chaîne. Donc, ou pas hésiter d'une seconde pour être capable de faire ça. Et ça vraiment, vraiment, li vle di en pile bagay. Et ça, c'est un sujet, ou du moins, c'est une source d'encouragement, une source de motivation pour nous capables de continuer à avancer avec le travail. Ça. Donc, ou même qui a suivi nous, donc pas oublier que, ou sous Chanel, ça, Chanel Zamion, frère, adorateur, Bertin d'Orville-Mort. Et jeudi à même, nous, à présenter une vidéo ou du moins une émission très très spéciale côté que nous allons recevoir notre sœur Marthe Fleurimus, donc lui-même qui était arrivé gagner un premier prix dans le challenge que nous avons organisé sous question chant d'espérance. Donc si vous êtes nouveau, si vous regardez nous pour la première fois, pas hésiter pour capable de connecter avec nous pendant que vous êtes abonné avec Chanel ça. Parce que j'aime toujours dire et que je continue à dire. Donc, nous avons besoin de support pour nous capables d'avancer avec le travail.